Salut, c'est Maxime de Delicious Insights. Dans cette vidéo, je t'explique comment retourner rapidement sur la dernière branche active dans Git. Avant de te montrer tout ça, il faut que tu saches que Git, pour chaque déplacement que tu vas créer dans ton historique, donc chaque pas en avant via un nouveau commit ou des déplacements d'une branche à une autre, des annulations éventuelles avec Git Reset, ce genre de choses, eh bien, ça représente un déplacement de head. Ça représente même éventuellement, si Ed pointe sur une branche, sur une étiquette de branche, ça représente un, un déplacement de l'étiquette de branche également. Ces déplacements, ils sont entièrement stockés, un petit peu comme le petit poussé sèmerait ses cailloux. Ça va être stocké dans ce qu'on appelle la journalisation des déplacements, justement, de Ed et des étiquettes de branche. J'ai nommé le reflog. Alors, peu importe finalement ce détail technique, ce qui m'intéresse ici, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour accéder. Rapidement, du coup, à cette branche précédente et quelle est la notation que tu peux utiliser dans ton terminal. Pour en revenir rapidement à cette histoire de Reflog, le Reflog nous apporte euh, des syntaxes, ce qu'on appelle une syntaxe de révision, qui va ressembler à ceci pour pointer sur la dernière branche active. Alors, ça, c'est un petit peu pénible à taper, donc l'objectif, c'est pas de venir taper ça à chaque fois. On a une version abrégée, en fait, qui est le moins. Je sais pas si tu connais cette astuce déjà dans le terminal qui est d'utiliser CD- pour retourner dans le répertoire précédent. Euh, et, où, et donc inversement tu peux jongler entre deux répertoires en disant cd moins, c'est des moins, c'est des moins, cd moins, moins, tu fais l'un l'autre, l'un l'autre, et eh bien c'est exactement la même chose que tu vas pouvoir faire avec des commandes comme git switch par exemple. Si je fais un git switch moins, il va me remettre sur la branche sur laquelle j'étais avant la branche main ici. Donc ici on voit que j'étais sur la branche dev. Si je refais un git switch-il me remet sur main. Et ainsi de suite, en fait, il redéplace à chaque fois head. Alors, bien évidemment, côté reflog, la journalisation, elle, elle change puisqu'elle enregistre à chaque fois un nouveau déplacement. Mais ça, quelque part, on se moque un peu à ce niveau-là. Ça ne s'arrête pas qu'à git switch, c'est-à-dire qu'on peut utiliser avec plein d'autres commandes qui permettraient d'utiliser justement cette syntaxe comme git merge, git rebase. Donc par exemple, si je refais un git switch- moins ici, et que je veux fusionner la branche dev dans ma, dans ma branche main, je peux très bien faire un git merge moins. Et voilà, donc là, j'ai ma fusion qui a été opérée au sein de ma branche euh, main avec, du coup, cette branche dev.